Est-ce que voilà, vous avez une ambition très particulière sur cette Coupe du Monde, déjà sur ces qualifications, et bien sûr c'est d'y aller. En plus, ça va se jouer au Qatar, qui est un pays que vous connaissez très très bien. Est-ce que vous avez une ambition très chevillée au corps pour cette compétition à venir? Donc c'est bien que vous ayez précisé qu'il fallait d'abord y aller parce que Eh oui. c'est long, difficile, compliqué. Je répète, Patrick Habib le savent très bien. Tirage au sort le 21 janvier prochain. Voilà, donc ça va être déjà nous. C'est l'objectif de toute manière. Ne pas y aller, ça Ce sera un serait échec un échec considérable. considérable, comme vous dites. Rajouter de la pression. S'il vous plaît. effectivement, ensuite, dès qu'on aura fait le travail, qu'on se sera qualifié, l'objectif, ce sera de la gagner. Non. C'est bon, c'est enregistré, tout le monde a enregistré, c'est bien. On va parler sérieusement. Parce que l'objectif, ça sera de faire. De faire... Ah non, mais là, je comprends pas. Vous avez dit que pour la CAN, c'était de la gagner alors que l'équipe était malade. Tout en étant réaliste. Très bien. L'objectif, ça sera pas de participer, ça sera pas de faire juste du mieux que l'on peut, ça sera de tout donner et de croire en l'impossible. Voilà. Tu ne feras pas du Coubertin, quoi. Non, 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 non. Pas du Coubertin. L'essentiel, c'est de participer. Non, pas du tout. Voilà. Je sais que. Ah, c'est pour ça que j'ai envie de. De toute manière, les joueurs, c'est bon, ils ont compris le truc. Ils se fixent aucune limite. La seule chose, le deal quelque part qu'on a entre nous, c'est après cette CAN, il y a eu une vraie réflexion, il y a eu une vraie discussion entre nous. Et la réflexion, c'est est-ce qu'on a envie de progresser? Est-ce qu'on a envie d'aller encore plus loin? Est-ce qu'on en est capable? Oui, moi, j'estime que oui. J'estime qu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir aller encore plus haut. Pour faire de cette équipe une meilleure équipe encore. Bien sûr, on est largement perfectible. Et en développant certains points, en expliquant, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire de la littérature, là on parle, mais à un moment donné, il faut des choses concrètes, expliquer là où on doit progresser. Et déjà, avant même de parler de ça et de rentrer en profondeur là-dedans, c'est déjà est-ce qu'ils ont la mentale pour ça, est-ce qu'ils ont le truc? Parce que quand je dis on va en Égypte pour gagner la Coupe d'Afrique, avec l'objectif de gagner la Coupe d'Afrique, à partir du moment où on l'a dit, dès que la conférence de presse se termine, on enchaîne directement son travail et là on ne lâche plus rien. On dit des choses. Et après, on bosse pour réaliser ce qu'on a raconté. Donc, ça sera dans le même truc. Mais pourquoi je n'ai pas envie de me prononcer trop tôt? Il faut qu'on se qualifie à cette Coupe du Monde. Je sais que ça va être très difficile, qu'on va être attendu partout, et c'est normal, pas de problème là-dessus. Et ça va être très difficile. Après, on ne se fixera pas de limites quant aux ambitions. Se qualifier et ensuite gagner la Coupe du Monde, on a bien compris le message.